Mon histoire, elle se passe en Argentine. Buenos Aires est une ville fascinante, avec son étonnant mélange de façades anciennes et modernes, ses couleurs vives, ses cafés, son ambiance et son sublime drapeau rayonnant. La chose que j'ai trouvé vraiment drôle, c'est qu'au détour d'une rue, tu peux trouver une photo de la Tour Eiffel, posée là, comme ça, au milieu des objets pour les touristes. Un signe, comme pour te dire qu'il y aura toujours un brin de France quelque part dans le monde. Et c'est au consulat général qu'on trouve ce lien entre les Français de passage ou ceux qui sont résidents depuis de nombreuses années. Dans ce bâtiment, les agents doivent manier l'art du document administratif et l'art de rendre service du mieux qu'ils peuvent. Yannick est assistante sociale. Aujourd'hui, elle prend des nouvelles d'une jeune Française en grande difficulté depuis 2 mois. Lola a un enfant de 9 mois. Son compagnon argentin s'est révélé être violent avec elle et son fils. Elle a fui avec sa cousine dans une autre ville et maintenant elle est en attente de la décision du juge, à savoir si elle peut regagner la France avec son fils. Nous, on en était... Moi, j'avais fait partir la note du consulat que j'avais transmise à votre avocate et on était en attente de la décision de la juge. Vous avez eu une réponse ou pas? En sachant que si la juge vous autorisait à quitter le territoire avec le bébé, il y avait toujours la question de l'appel éventuel du père qui repoussait encore les délais sur 1 mois de plus. Entre-temps, dans un pays aussi vaste que l'Argentine, servir certains Français est une vraie nécessité. Car parfois, ils sont trop âgés pour se déplacer ou ils sont handicapés. Et il faut aller à leur rencontre. Julie, Yannick et le consul se répartissent ce travail, aidés par des consuls honoraires qui sont des relais indispensables avec les provinces. Alors, comment ça va, Reine, depuis l'année dernière? Ça va pas. On va faire toutes ces démarches, là. Avec Alejandro. Oui. Avec Alejandro, oui. De retour au bureau, Yannick reçoit Lola et sa cousine. Elle a enfin eu la décision du juge qui l'autorise à repartir en France. Un grand soulagement pour elle et sa cousine qui l'a aidée à se sortir de son isolement. Ce qui nous a particulièrement aidé d'être en contact avec le consulat, c'était d'avoir un contact avec qui on pouvait parler français, qui était en contact avec notre famille en France, de pouvoir aussi exprimer, parce que c'est quand même des assistantes sociales, d'exprimer nos angoisses, poser nos questions, que des fois on n'est pas toujours compris dans une autre langue, autre culture. C'était pas seulement de l'écoute, c'était gérer derrière tout ce qu'on pouvait avoir comme besoin. C'était précieux pour nous, ça a vraiment changé tout. S'il y a la moindre difficulté, vous me passez un coup de fil. Moi je rappellerai, on a un contact, un contact avec la coordination de migration. Et en cas de besoin, on appelle la responsable immigration. Vivre à l'étranger ou passer quelques jours réserve parfois de très bonnes surprises, comme des moins bonnes. Et passer quelques jours au sein d'une équipe consulaire, c'est toujours la possibilité de constater leur extrême bienveillance et leur envie de bien réagir pour chaque situation. Bon, j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo, mais là vraiment, il faut faire quelque chose. Il faut autoriser les applis pour être beau sur nos passeports, nos photos d'identité. Parce que là, ça devient criminel cette histoire. Et je suis pas la seule à penser ça. Voilà, bisous.